Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer sur Star 21 TV. À la une de cette édition d'information, en politique selon la CODEC, le président de la République sera effectivement candidat aux élections présidentielles prévues le 18 octobre. Plus de détails dans un instant. L'ouverture des classes intermédiaires à Conakry ne se passe pas comme prévu. Nombreux sont ces établissements qui ont connu peu d'engouement. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, c'est désormais officiel. Le président Alpha Condé compte se maintenir à la tête de la République de Guinée. Il l'a fait savoir dans un communiqué lu sur la télévision nationale dans la soirée du lundi 31 août 2020 au sein de la mouvance présidentielle. Cette nouvelle est perçue comme une victoire. Nous vous invitons à suivre la réaction de l'honorable Souleymane Kita. C'est dans la soirée de ce lundi 31 août 2020 que le président guinéen a confirmé sa participation aux élections présidentielles prévues pour le 18 octobre prochain. Une décision qui ne surprend guère les opposants à un troisième mandat en Guinée. Nous avons connu des années très difficiles par le passé qui ont amené à ce qu'il y ait, disons, une transition, ce qui a amené les forces vives en accord avec tous les acteurs, à mettre en place dans le cadre du CNT une constitution concertée qui a sanctuarisé le fait de ne pas remettre en cause les deux mandats et d'assurer par ce biais une possibilité d'alternance démocratique régulière paisible. C'est ça qui vient d'être détruit par la gouvernance actuelle. La problématique sur le fichier électoral et les questions de l'égalité juridique de l'actuelle constitution sont des causes de la non-participation de sa formation politique. C'est pourquoi Bahouri estime qu'aller à cette élection, c'est de s'engager à une aventure dangereuse pour la paix civile. Mais par contre, aller à une élection, aller à un troisième mandat pour le président Alpha Condé et pour d'autres, aller à une élection dans ces conditions, c'est dans une large mesure valider tout le processus de destruction systématique des fondamentaux de l'état de droit que nous avions par le passé. Donc j'appelle l'ensemble des Guinéens, quel que soit leur positionnement politique, de refuser de sombrer dans des attitudes qui risquent de mettre en péril l'unité du pays sur la base des appartenances ethniques. Selon certains observateurs, l'annonce de cette volonté d'Alpha Condé de se présenter à sa propre succession pourrait remettre en cause toute négociation entamée pour une sortie de crise en Guinée. Parlant toujours de la candidature du président de la République, il faut dire que l'opposition guinéenne ne trouve pas surprenante cette annonce. Bintou Souma et Ibrahim Khalil Silla pour plus de détails. Hier, le parti s'est exprimé et à travers un communiqué avec l'ensemble des alliés et la CODEC. Et l'opinion a été informée de l'acceptation du président de la République suite à notre sollicitation à travers les différentes conventions que nous avons organisées et qui lui demandait d'accepter d'être le candidat du parti. Maintenant, c'est chose faite. Nous nous en réjouissons, nous sommes contents. Et nous sommes déjà sur le terrain. Nous allons nous mettre au travail pour faire en sorte que le candidat de la majorité présidentielle, le professeur Alpha Condé, soit élu dès le premier tour. Je crois que c'est pour ça, désormais, nous allons travailler. Et nous sommes dorénavant très confiants au regard de notre bilan élogieux, mais aussi à cause du fait qu'en face, nous avons des adversaires qui n'ont pas de programme politique. Le professeur Alpha Condé constitue bel et bien l'alternative pour le développement de la Guinée, mais aussi pour le renouvellement générationnel tant souhaité. L'opposition en face n'a pas de programme. Non seulement elle n'a pas de programme, mais c'est la vieille comme élite qui gérait le pays pendant plus de 20 ans. Le résultat, nous le connaissons. Ils n'ont pas développé le pays, donc ils ne constituent pas, ses opposants, une alternative pour la Guinée. Donc le professeur Alpha Condé a fait déjà beaucoup de choses.
Si nous le suivons, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. Mais au finish, c'est que c'est les jeunes et les femmes qui sont les plus grands bénéficiaires. Toujours en politique, la reprise des manifestations dans les rues de Conakry par le FNDC est un non-événement pour les partis alliés du RPG arc-en-ciel, notamment le président du Parti républicain pour le renouveau. Selon lui, la population doit tirer une conclusion des précédentes marches organisées par cette structure. Mohamed Traoré pour plus de détails. Depuis le début de la pandémie COVID-19 en Guinée, le FNDC hésite d'organiser des manifestations. Quant au parti au pouvoir, il ne cesse d'organiser des mouvements de soutien en faveur d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé, une réalité qui bafouille les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la pandémie. Vu cette désobéissance aux yeux des autorités du pays, le FNDC décide de mettre fin à la trêve pour reprendre les manifestations. Une situation que déplore ce leader politique qui estime que seul le dialogue est le moyen d'une sortie de crise politique. Bon, je dirais que, parce que quel qu'en soit le problème, on finira autour de la table. Et si on doit terminer autour de la table, pourquoi pas commencer autour de la table? Parce que c'est ce que j'avais dit depuis le départ, mais voilà, ils n'ont pas compris. Parce que ça faisait maintenant 7 mois de manifestation, ça coûtait la vie aux Guinéens, aujourd'hui il y a des familles endeuillées. Donc, je lance un appel au niveau des partis politiques qui composent la société civile et syndicats, vraiment de penser à la vie des Guinéens et au développement de la Guinée. Conscient des dégâts causés pendant ces derniers mois suite aux manifestations organisées par le Front national pour la défense de la Constitution, Assoumane Fofana interpelle le peuple à observer avec plus de lucidité le combat que mène le FNDC. Pour lui, cette situation a une répercussion négative sur le quotidien des Guinéens. Le peuple de Guinée n'est pas bien informé par rapport au combat mené du FNDC. Vraiment, c'est un combat qui est très flou parce que depuis le départ, ils n'ont pas accepté vraiment qu'il y ait débat entre gouverneur et gouvernant. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Le peuple de Guinée doit se réveiller et comprendre. Hein? Et c'est que le FNDC veut mener dans notre pays comme combat, vraiment c'est pas républicain. Et quand vous voyez encore la composition du FNDC, il y a les partis politiques, société civile et syndicats. Aujourd'hui, les deux corps aujourd'hui ne veulent pas conquérir le pouvoir qui est la société civile, comment on appelle ça, le syndicat. Depuis le choix du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, sur le président Alpha Condé pour la prochaine élection présidentielle, des salives ne cessent de couler dans la cité. Parer la route au chef de l'État pour un troisième mandat. Éducation, dans ce journal, les élèves des classes intermédiaires ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er septembre 2020. Dans la plupart de ces établissements visités par notre équipe de reportage, la quasi-totalité des enseignants étaient au rendez-vous. Par contre, les apprenants se comptaient au bout du doigt. C'est un constat de Jeannette Akou et Mustapha Diané. Suite à l'annonce du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation le week-end dernier sur la réouverture des classes intermédiaires, certains élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er septembre 2020 à Conakry. Ici, au lycée Kipé, tous les enseignants étaient au rendez-vous et le respect des mesures barrières était de mise, nous a laissé entendre ces responsables d'établissement. Ce matin, dès 7h, nous avons reçu les enfants. Ils sont venus quand même, pas en grand nombre, mais au moins la majorité est là ce matin. Ils sont venus, nous les avons reçus au portail et nous les avons exigé le lavage des mains, le port des bavettes. Ensuite, nous les avons sensibilisés un peu. Ensuite, nous les avons mis dans les classes. Pour sauver l'école guinéenne d'une année blanche, le MENA compte achever le programme d'enseignement en un mois et demi. Une initiative que trouvent salutaire ces acteurs du système qui viennent de sortir de 5 mois de congé à la maison. Bon, nous avons débuté les cours ce matin. Bon, nous avons reçu notre professeur de mathématiques, c'est ça que nous venons de faire tout de suite.
En fait, bon, on avait respecté les mesures barrières avant de rentrer. Tout, ça va mieux quand même. Il y a la satisfaction quand même. Ce qui est important par rapport à cette reprise de cours, c'est le respect des mesures barrières. Hein? On dit le port des bavettes par les élèves et par les enseignants, la distanciation. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, là, ça, c'est purement pédagogique. On n'a pas de problème autour de ça. Pour cette première journée, la plupart des écoles visitées comptent démarrer le programme à partir de la semaine prochaine afin de prendre toutes les dispositions liées au respect des mesures barrières dans leur établissement. Le bilan s'alourdit sur le drame qui s'est produit à Simbaya 1 dans la soirée du lundi 31 août 2020 suite à l'effondrement de l'immeuble. Selon les sources hospitalières, 10 personnes sont gravement blessées et alitées à urgence au camp Alpha Yaya Diallo. Suivez la réaction du responsable de la protection de la commune de Matoto. Hier, c'était aux environs de 16 heures quand notre service d'incendie et de secours de Matoto a été alerté. Il y a effondrement d'un bâtiment en construction. Et immédiatement, l'équipe s'est rendue sur les lieux qui ont effectivement trouvé un bâtiment qui était en construction. Donc, écroués. Donc, ils ont pu sauver 4 personnes hier parmi les travailleurs qui ont été transportés à l'hôpital de Calfaya. Et il y avait un cinquième, d'après les renseignements recueillis, qui était encore sur les décombres, qu'on n'a pas pu sortir. Et il a fallu l'arrivée de la machine de génie ce matin. Depuis la nuit, ils sont en train de travailler. C'est ce matin qu'ils ont entendu un cri pour dire de venir au secours. Et avec l'effort du génie et les sapeurs-pompiers, ils ont pu quand même dégager les décombres jusqu'à ce qu'ils ont pu retrouver le dernier victime et qui est présentement sur le traitement au camp Faya. Donc il s'agit d'un certain Kaba, un travailleur aussi. Donc vraiment, c'est ce que nous avons pu faire. C'est qu'il faut rapidement travailler avec le ministère de l'Habitat pour qu'on mette une commission en place pour éviter la construction anarchique, parce que nous avons des ingénieurs de bâtiments parmi des sapeurs-pompiers qui contrôlent les plans du bâtiment avant la construction. Cela veut dire qu'il peut savoir quels sont les matériels que l'intéressé veut utiliser pour vraiment construire le bâtiment, comment il doit faire la fondation, parce que c'est la fondation qui, c'est pas la première fois. Chaque fois, c'est des bâtiments en construction qui tombent par manque de renforcement de ce bâtiment. Donc vraiment, ce que nous demandons, il est temps maintenant que nous mettons une commission rapide en place, composée du ministère de l'Habitat et de la Protection civile, pour éviter des cas comme ça. Quand je dis la commission, cette commission doit travailler sur la réglementation des constructions des bâtiments. C'est ce qui n'a pas été fait encore. C'est pourquoi il faut anticiper pour mettre cette commission pour empêcher des cas comme ça. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le bilan des contaminations dues au coronavirus en Afrique a atteint jeudi 881 199 cas confirmés. Au moins 18 884 personnes ont succombé au virus dans 54 pays du continent, alors que pas moins de 540 872 patients se sont jusqu'à présent rétablis. C'est un commentaire d'Angeline Guilavogué. Le bilan de contamination dû au coronavirus en Afrique a atteint jeudi 881 199 cas confirmés. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, au moins 18 884 personnes ont succombé au virus dans 54 pays du continent, alors que pas moins de 540 872 patients se sont jusqu'à présent rétablis. Selon la dernière mise à jour,
l'Afrique australe a enregistré 491 900 cas de contamination. L'Afrique du Nord en a enregistré 155 400. L'Afrique de l'Ouest, 125 300. L'Afrique de l'Est, 72 000 et l'Afrique centrale, 46 000. Plus de 7 900 personnes sont décédées des suites de complications liées au virus en Afrique australe. 6 500 décès ont été enregistrés en Afrique du Nord, 1 900 en Afrique de l'Ouest, 1 600 en Afrique de l'Est et 938 en Afrique centrale. Le gouvernement canadien a par ailleurs fourni 4000 masques de protection au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Nous pensons que c'est grâce à des efforts de collaboration que le monde réussira dans sa lutte contre la pandémie, a déclaré l'ambassadeur canadien en Éthiopie, Antoine Chevrier, à l'agence Anadolu lors de la cérémonie de livraison des masques. Il a déclaré que son gouvernement avait promis 2,4 millions de dollars pour l'Afrique afin de faire face à l'augmentation des infections et des décès liés au virus. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Star TV.